Le colonisateur est venu, il a exploité, il a pillé des ressources, des richesses qui ne lui appartenaient pas. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. Davom, 180 millions de bénéfices. L'Africaine française, le Niger français, la Compagnie française de la Côte d'Ivoire, c'est le trust anglo-saxon Unilever, 11 milliards 500 millions de bénéfices en une année, 40 millions par jour volés aux Africains. Mais je veux dire avec respect qu'il a aussi donné. En échange, ces missionnaires du commerce ont introduit le progrès en Afrique. Le progrès. Il a construit des ponts. Voici le célèbre barrage de Markala-Sansandingue sur le Niger. Une turbine fournit de l'électricité aux maisons des Blancs. Mais il n'y a pas d'électricité pour ouvrir les vannes devant les péniches des grandes compagnies coloniales. Car la sueur des Noirs à 50 francs par jour revient moins cher que l'installation et l'entretien d'une turbine. J'ai travaillé pour toi beaucoup, patron. J'ai travaillé dans les champs de canne à sucre. J'ai travaillé dans les champs de manioc. J'ai travaillé dans les champs de café. J'ai travaillé dans les champs de cacao. J'ai cuisiné pour toi beaucoup, patron. Des routes? Il paraît qu'il existe, au-delà des mers, des rouleaux compresseurs qui sont des machines fort utiles pour faire les routes. Mais en Afrique, pas besoin de rouleaux compresseurs. Les Noirs reviennent moins chers. Des hôpitaux, des dispensaires. Tu t'étonnes de voir un village sans école, sans médecin. En Afrique, on ouvre une école quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de comptables. On envoie un médecin quand les grosses compagnies coloniales risquent de manquer de main-d'œuvre. Des écoles. Il y a place dans les écoles d'Afrique noire pour 4% des enfants d'âge scolaire. Juste le pourcentage suffisant pour que l'administration ait des greffiers et les compagnies coloniales des comptables. Les gosses jouent, une coquille d'escargot remplace la toupie. Ou une courge remplace le ballon. L'Afrique a sa part de responsabilité dans son propre malheur. On s'est entretué en Afrique, au moins autant qu'en Europe. Regarde ce qui guette les villages africains. Ici se trouvait le village de Palaka, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chef du village n'a pu payer un reliquat d'impôt, 3700 francs. Le 27 février 1949, à 5h du matin, les troupes sont venues. Elles ont cerné le village, elles ont tiré, elles ont brûlé, elles ont tué. Mais la colonisation fut une grande faute qui fut payée par l'amertume et la souffrance de ceux qui avaient cru tout donner et qui ne comprenaient pas pourquoi on leur en voulait autant. Dans les champs de mille, dans les champs de coton, dans les champs d'arachide, les femmes noires, les enfants noirs travaillent. Les revenus de l'Ossieur et d'Unilever montent en flèche. Perfectionner l'équipement, à quoi bon? Une machine ferait le travail de 20 noirs, bien sûr, mais 20 noirs à 50 francs par jour reviennent moins cher qu'une machine. Alors usons le noir. Tu m'as mené dans les bateaux à voiler. Tu m'as fouetté avec la corde au cou. Tu m'as conduit à la porte et non-retour. Tu m'as fait connaître la diaspora. J'ai été humilié devant mes frères. J'ai été humilié devant mes sœurs.